chers téléspectateurs, chers chrétiens, bienvenue encore dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, La vie de la paroisse. Aujourd'hui, nous avons ici sur ce plateau notre frère Samson, qui est notre invité de ce jour, qui nous parlera d'un thème assez intéressant et important de nos jours qui intéresse la jeunesse et bien d'autres personnes. Bonjour, monsieur Samson. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et merci de nous faire l'honneur d'accepter cette invitation. L'honneur partagé. Alors, monsieur Samson, aujourd'hui, nous allons aborder un thème de ces derniers temps, un thème assez à jour, assez parlé, qui est celui de la politique. Alors, avant d'aborder ce thème, nous voudrons que vous vous présentiez. Qui est monsieur Samson? Quand on parle de Samson, qui est-il? Alors, merci, bonjour. Alors, avant de répondre à votre question, je tenais à vous remercier pour l'invitation dans cette émission La vie de la paroisse. C'est aussi l'occasion m'est donnée aujourd'hui de parler de ce thème qui est jeunesse catholique et la politique. Alors, à l'état civil, c'est M. Eliel Jimmy Samson Gubongo. Je suis centrafricain, médecin généraliste. Je suis de la paroisse de Saint-Joseph de Medina, de la jeunesse émardienne, qui est une branche de la congrégation des Pères du Saint-Sacrement, dont le fondateur est le Saint-Père Pierre-Julien Aymar. Et aussi, je suis membre de la commission communication du dit mouvement. Quelle belle description. On voit à votre portefeuille, vous avez beaucoup d'engagement à l'Église et sur le plan professionnel. Alors, monsieur Samson, vous êtes un jeune catholique très engagé et très intéressé par la politique. Et quel est votre modèle en fait en politique? On veut parler de votre modèle. Qui vous voyez, qui peut vous inspirer en politique? Alors, c'est vrai, la politique m'intéresse et tout, mais j'ai pas un modèle particulier dans ce domaine. Certes, on a eu des grands hommes africains qui ont marqué l'histoire, qui m'ont inspiré et qui m'ont poussé à me documenter sur leur vie, sur leur parcours. Je peux citer entre autres Sylvanus Olympio au Togo, Thomas Sankara au Burkina Faso, Nelson Mandela en Afrique du Sud, Chimo en République Centrafricaine, Barthélemy Bouganda, Patrice Emery Lumumba en Congo, RD Congo, ou bien Oumyobé au Cameroun. C'est grand somme. Même ils ne sont pas parfaits, mais je pense, hein, ce n'est que mon avis, ils étaient trop en avance sur leur temps, de par leurs idées, leurs combats, leurs objectifs, qui on peut résumer en une phrase, l'indépendance, la véritable indépendance et l'épanouissement de leur peuple, de leur pays et voire de l'Afrique tout entière. Alors cela me pousse à poser une question, je dirais peut-être personnelle. En voyant toutes ces personnalités, ces histoires qui vous inspirent, pensez-vous avoir une carrière dans la politique? Je ne pense pas, je sais. Vous ne pensez pas? Non. Vous êtes juste inspiré par ces personnes. Je suis inspiré, certes, il faut toujours regarder vers le passé pour s'orienter vers le futur. Donc, ces hommes m'ont beaucoup inspiré parce que, bon, j'invite aussi les jeunes à aller se documenter sur les parcours de ces hommes. Il y en a pas mal en Afrique qui ont impacté l'histoire et c'est ça qui m'ont poussé aussi à dire que si ils ont fait dans le passé, pourquoi pas nous, cette jeunesse-là? Ah, évidemment, justement, parlons de la jeunesse. Nous remarquons aujourd'hui que la jeunesse catholique n'est pas vraiment engagée dans la politique de leur pays. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec cette assertion. Hein. Il y a déjà des jeunes catholiques engagés dans la vie politique de leur pays. Peut-être qu'ils ne sont pas encore connus, et je l'espère et je crois que d'ici peu, on va entendre parler d'eux dans la vie politique de leur pays, mais ou aussi qu'ils ne mettent pas suffisamment en avant leur foi chrétienne et catholique. Peut-être que c'est ça
qu'on ne sente pas cet engagement. Alors, pour revenir à votre question, vous savez, dans notre contexte africain, surtout dans les pays francophones africains, tout ce que nous, jeunes, nous savons de la politique ou on a vu de la politique, c'est soit avoir un poste, une ascension sociale, ou bien les prestiges qui vont avec. Nous ne savons pas réellement ce que c'est que la politique. Juste pour résumer, la politique, c'est l'ensemble des décisions qui organisent la vie en société. Alors, c'est quoi la société? C'est vous et moi, c'est nous, c'est l'Église, c'est la famille, c'est l'environnement. Donc, c'est tout ça là qui forme la société. Alors, si je dois me limiter qu'à cette jeunesse chrétienne catholique, si moi, en tant que jeune chrétien catholique, si je ne suis pas encore engagé dans la vie de ma paroisse, que ce soit dans les mouvements, dans les groupes, dans les CEB, comment vous pensez que je serai pleinement impliqué dans la vie politique de mon pays, que ce soit à l'échelle communale, départementale et voire même à l'échelle nationale? Je ne pense pas. Donc, il y a donc un véritable manque de volonté, de honte et aussi un manque d'ambition, je trouve. Ah ok, d'accord. Mais là, au début, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord. Et là, en avançant, vous dites que il y a peut-être le manque de volonté ou le manque d'ambition. On dira peut-être que un peu de peur derrière, je sais pas, parce que la politique en Afrique n'est toujours pas sainte. Et puis parfois, il y a certaines ambiguïtés. Est-ce que c'est pas aussi cette peur-là qui retient, en fait, je dirais, la jeunesse catholique de s'engager vraiment dans la politique? Ben, c'est vrai. Peut-être qu'il y a de la peur. Quand je vous ai dit que je n'étais pas totalement d'accord, parce que je sais qu'il y a déjà des jeunes chrétiens qui sont déjà engagés dans la politique. Hein. Mais cette peur, certes, peut-être c'est légitime, mais c'est ce qu'on veut nous faire croire, que la politique, soit c'est dangereux, soit tu vas mourir, soit tu vas rien faire, ou bien tu... Non, c'est pas ça la politique. Il faut participer à cette décision. La société, c'est... nous allons pas subir cette décision. Il faut aussi participer à la décision. Donc, je trouve que certes, la peur, elle est légitime, mais il faut oser. Il faut oser. D'accord. Justement, parlons de la peur. Nous constatons aujourd'hui qu'en politique, pour accéder à certaines sphères, à certains postes en politique, il y a certaines choses, en fait, certaines pratiques qui s'imposent. Pensez-vous que cela ne soit pas un frein ou une cause pour laquelle les jeunes ne veulent pas s'engager en politique? C'est vrai, effectivement, c'est un fait que pour accéder à certaines portes, à très 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 hautes responsabilités, que ce soit dans la politique, dans la vie politique, même en entreprise ou voire même dans les organismes internationaux, soit il faut entrer dans des loges ou bien s'orienter vers, entre guillemets, certains pratiques. Mais la question que moi, en tant que jeune chrétien catholique, je dois me poser comme question, c'est: est-ce que j'ai la foi? La foi, c'est croire à des choses que je n'ai jamais vues, touchées ni senties. Est-ce que je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité? Ça, c'est de un. De deux, est-ce que Jésus-Christ est le centre de ma vie? C'est-à-dire que dans tout ce que j'entreprends, que ce soit dans mes activités professionnelles, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mes études, que ce soit dans ma vie en politique, est-ce que Jésus-Christ est le centre de ma vie? Si la réponse elle est oui, alors je vais répondre à votre question par la très belle cantique de David, que je sais que tout le monde connaît, le psaume 23, juste les versets 4 et 5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Alors, si ce poste à responsabilité m'est destiné, je l'aurai. Si je dois arriver à la magistrature suprême de mon pays, j'y accéderai sans rentrer dans des loges, sans rentrer dans certaines pratiques, parce que c'est pas pour ma gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors, si c'est pour la gloire de Dieu, et il ne permettra pas. C'est dit dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, dans 1 Corinthiens 10, 13. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces ou au-delà de nos capacités. Donc, il ne permettra pas que je puisse
comme j'ai la foi, que je crois en lui, que de rentrer dans des endroits qui ne sont pas dignes de lui, tout simplement. Justement, parlons de la foi. Vous avez vraiment mis un point sur la foi et l'existence, pour ne pas dire la présence de Jésus-Christ dans votre vie. Alors, à l'ère de Jésus-Christ, à l'époque de J.C., il y avait la politique. Comment pensez-vous de nos jours que les jeunes puissent plutôt aller s'intégrer à la politique, s'intéresser à la politique, être membre, être politicien, tout en gardant leur foi catholique ou chrétienne, vu l'ère d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'époque d'aujourd'hui où tellement de choses, comme j'ai dit précédemment, pour accéder à certains postes, il faut certaines pratiques, pour ne pas dire des loges. Comment est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent en fait accéder à ces postes-là ou encore faire de la politique tout en gardant leur vie chrétienne, tout en suivant Jésus? Alors, cette question fait suite à la précédente. Mon père me dit toujours, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où tu vas. Si tu sais que tu viens de Christ, que tu as une foi en Christ, logiquement, dès que tu es engagé dans la vie politique, tu sais que tu ne rentreras pas dans des endroits où tu sais que certaines pratiques sont contraires à ta foi en Christ et que tu ne te permettras pas de faire certains trucs qui ne sont pas de ta foi. Alors, il ne faut pas qu'on se jette dans ce piège-là en opposant religion et politique. On peut tout à fait faire de la politique et demeurer ferme dans notre foi en Christ. Oui, il ne faut pas, je pense que vous avez parlé de il faut connaître Jésus, il faut connaître sa foi. Pensez-vous que connaître la foi, savoir que Jésus est en nous et croire en la foi suffit ou il faut vraiment la vivre? Parce que je peux croire en une religion, mais je ne la vis pas. Est-ce que pensez-vous que c'est suffisant de reconnaître que je suis chrétien, j'ai Jésus dans ma vie? Pensez-vous que c'est suffisant sans vraiment avoir une foi assidue, une foi bien assise pour entrer dans cette sphère de la politique? Oui et non. Oui, parce que la foi, c'est un mystère. D'accord? On ne détient pas cette monopole-là de la foi. On cultive la foi au quotidien. Donc, c'est normal que si tu n'es pas baptisé, confirmé, que tu ne crois pas que Jésus-Christ est vivant pour toi, parce que son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Hein. Donc, rien n'est impossible à celui qui croit fermement. Alors, si on ne cultive pas, nous, cette jeunesse dynamique catholique, si on ne cultive pas ça au quotidien, cette fois, mais c'est normal que face à la tentation, on va céder, tout simplement. Rappelons que nous sommes ici sur ce plateau de ce jour dans notre émission La Vie de la Paroisse avec Monsieur Samson comme invité qui nous décortique les certains termes, certains sujets sur la politique qui l'intéressent beaucoup. Comment pensez-vous que les jeunes peuvent faire s'ils veulent vraiment s'intégrer dans la politique ou bien s'y intéresser? Comment feront-ils pour avoir ces skills-là, en fait, ces compétences pour intégrer la politique? Alors, c'est une très bonne question. Je dis qu'il faut d'abord la préparation. La préparation, cette préparation a deux volets. Le premier volet, très important pour moi, fondamental, c'est la préparation spirituelle. Il faut bâtir cette relation privilégiée avec Dieu. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir l'Esprit Saint. Même Jésus-Christ, qui est actuellement pour nous un exemple parfait, a pris 30 ans de sa vie pour se préparer. Parce qu'il savait pertinemment qu'il sera tenté par le malin et il sera tenté par les hommes. Pour ceux et celles qui lisent la Bible, les Juifs voulaient le kidnapper pour le faire roi. Ils savaient très bien qu'il sera tenté. Donc, nous, jeunes chrétiens catholiques, si on doit s'engager dans cette vie qui est la politique, il faut d'abord bâtir, d'abord cette foi, avoir le Saint-Esprit. C'est ça qui va nous guider à ne pas rentrer dans telle ou telle certaine pratique. Alors, deuxième volet qui va venir
je dirais, aider tout ça, ce premier volet fondamental, c'est la préparation intellectuelle, comme vous l'avez dit. Il faut se documenter, il faut étudier, il faut s'intéresser. On est maintenant aujourd'hui à l'heure du numérique. Ouais. On peut trouver toutes les informations qu'on veut. Juste assis sur ma chaise, je peux connaître l'économie du Japon, je peux connaître le système politique des États-Unis, je peux connaître le système économique en France. Donc, il faut s'intéresser, d'accord, à s'instruire, à se documenter, etc. Maintenant, après avoir documenté, s'instruit et avoir les bagages nécessaires qu'il le faut, il faut maintenant adopter cette démarche qui est là, qui est la démarche scientifique, c'est-à-dire que observer, émettre des hypothèses et les vérifier. Je vais juste prendre un exemple de mon pays, la République centrafricaine, que je connais très bien. Chaque 10 ans, 12 ans, il y a soit un coup d'État ou soit une tentative de déstabilisation du régime en place. Pourquoi ? Ça, c'est une question légitime que je me pose. Pourquoi, depuis que je suis né, mon pays n'est pas en paix ? Pourquoi ? Le système éducatif, le système judiciaire, le système économique, le système, tout le système sanitaire. Pourquoi 64 ans plus tard, après les indépendances, mon pays qui est l'un des pays les plus riches en Afrique, pourquoi il est toujours à ce niveau? Ça, c'est des questions qui vont me pousser à émettre des hypothèses. Est-ce qu'on ne peut pas changer de politique? Est-ce qu'on ne peut pas changer la façon de faire les choses, de changer la façon dont nous voyons notre système judiciaire, notre système politique, etc. Et c'est ça qui va me pousser à m'engager, que ce soit dans le mouvement ou bien un parti politique, pour vérifier tout ça. Donc, moi, pour résumer, c'est d'abord la préparation. Et cette préparation part d'abord de, comme moi, nous, jeunesse chrétienne catholique, part d'abord de cette préparation spirituelle pour finir à cette préparation intellectuelle. Alors, merci, monsieur Samson, pour cette explication aussi brillante. Alors, après tout ce que nous avons dit ici, discuté, quel est votre grand souhait, que ce soit dans l'Église, sur le thème sur lequel nous discutons? Et revenir, parce que c'est ce patriotisme-là qui va nous faire revenir chez nous pour mettre tout ce savoir-là au profit de notre pays. Personne ne va venir construire nos pays à notre place. Hein. Ça, c'est une utopie de penser que les Occidentaux vont venir chez nous, nous construire les routes, construire les immeubles, construire ceci. Ça n'arrivera jamais. Donc, c'est à nous. Donc, c'est cet amour-là qui doit nous pousser. Donc, le patriotisme, voilà mon plus grand souhait. Alors, merci, M. Samson. Nous voici à la fin de notre émission. Avez-vous un dernier mot à dire, s'il vous plaît? Oui, je terminerai mes propos par ces belles questions-réponses du pape François. Il y a de cela 9 ans face à la communauté missionnaire des étudiants d'Italie. Mm-hmm. Cette vidéo est sur YouTube. Hein, si c'est celle qui veut la regarder, c'est disponible sur YouTube. Le pape François disait ceci. L'Église n'est pas un parti politique. Mais est-ce que un chrétien catholique peut faire de la politique? Oui, il le doit. Est-ce que un chrétien catholique peut parler de politique? Oui, il le doit. Dans tous les propos du pape François, c'est le verbe devoir que j'ai retenu. Devoir. Il faut que nous, cette jeunesse catholique, nous soyons engagés, nous soyons dynamiques. Et si nous ne participons pas aux décisions qui vont organiser ma vie, votre vie, la vie de notre communauté, nous allons toujours subir les décisions des autres. D'accord, je m'en vais. Alors, merci, monsieur Samson. Ce fut vraiment un grand plaisir de vous avoir ici sur le plateau. Vous avez été très pertinent avec vos éclaircissements sur la politique. Je suis persuadée que quand les jeunes ou la jeunesse catholique verra ce numéro, sera plus éclairé et puis essaiera un peu de se relever de leur peur de s'engager à la politique et avoir un peu plus d'éclaircissements sur quoi faire par rapport à vos dires. Nous disons très grand merci et à la prochaine. Merci à vous.
Chers téléspectateurs, chers chrétiens, nous voici à la fin de ce numéro. Nous avions ici sur ce plateau M. Samson, qui a été l'invité du jour, qui nous a parlé du terme de la politique. Et nous espérons qu'après ses réponses, il a été très pertinent. Il a parlé de comment est-ce que s'engager à la politique et que la politique n'est pas interdite aux jeunes chrétiens. Vous pouvez toujours vous engager en vous formant, voilà, tout en ne pas oublier votre chrétienté, votre foi en Jésus-Christ. Il a encore souligné le fait que nous, chrétiens catholiques, nous devons être patriotiques, c'est-à-dire nous devons nous former, peut-être aller étudier ailleurs, mais toujours revenir chez nous dans nos pays pour bâtir nos pays, refaire le système, refaire les régimes de notre pays. Rien n'est impossible. Ok, merci de nous avoir suivis. Nous vous disons au revoir et à la prochaine émission. Bye, portez-vous bien.